La distance est l'une des causes principales de latence dans le jeu. Comme dans la vraie vie, plus un lieu est éloigné, plus on met de temps pour s'y rendre. C'est la même chose pour les paquets de données. Voici les emplacements de tous les serveurs de Call of Duty. Si vous vous trouvez sur la côte ouest aux États-Unis, vous ne voulez sûrement pas d'un serveur en Europe, comme en Angleterre par exemple. Même un serveur sur la côte est des États-Unis serait trop lent. Le meilleur serveur est celui qui se situe le plus près de chez vous. La plupart des jeux sur console ne vous permettent pas de sélectionner le serveur sur lequel vous voulez jouer. Le filtre géographique vous en donne la possibilité. C'est une fonctionnalité unique en son genre dont le brevet a été déposé et qui bloque les connexions éloignées. Aucun autre routeur au monde ne peut faire cela. En garantissant un hôte en local, on réduit le ping et vous obtenez une meilleure connexion pour vos parties. Vous pouvez jouer sans vous soucier du lag. Prenons comme exemple la Grande-Bretagne en jouant à Call of Duty. Le filtre géographique permet à d'autres joueurs ou serveurs de se connecter s'ils sont à proximité. Les connexions lointaines sont bloquées, comme le montrent ces petits triangles. Avec le filtre géographique, nous avons bloqué une connexion provenant des États-Unis qui aurait pu être l'hôte du jeu. Au lieu de ça, nous avons sécurisé un serveur plus proche, situé dans le nord de la France, avec un ping fantastique à 12 millisecondes. Voici une vidéo du jeu qui montre à quel point la connexion est bonne. Avec un ping aussi bas, on profite de ces parties sans s'inquiéter des latences. Le filtre géographique peut également être utilisé sur PC pour afficher le ping probable. Ici par exemple pour CSGO, le filtre géo affiche tous les serveurs CSGO du monde. Grâce à la fonction ping, il est possible de voir le ping dont on bénéficie pour le jeu. Cette fonction peut être employée pour tous les jeux et permet d'obtenir plus d'informations que sur tout autre routeur.